J'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui une notion pour ma part que je trouve très importante. Que tu sois salarié, que tu sois étudiant, que tu sois entrepreneur ou futur entrepreneur. Donc c'est la notion d'ignorance intelligente. J'ai fait un post récemment dessus, mais je trouve qu'il est important que je fasse également une petite vidéo pour expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que l'ignorance intelligente? L'ignorance intelligente, c'est tout simplement la capacité de ne pas savoir ce que vous ne pouvez pas faire, mais de le faire quand même. Donc, il y a un adage ou une citation qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ben c'est totalement ça, l'ignorance intelligente. Pour vous expliquer donc brièvement ce que ça comporte dans la vraie vie, on va prendre deux exemples. Un exemple scientifique et un exemple d'un entrepreneur. Le premier exemple, c'est l'exemple du bourdon. D'accord? Si vous prenez un bourdon scientifiquement, en termes de poids, en termes d'aérodynamisme, il ne peut pas voler. Il est très gros, son corps est énorme, il a des ailes qui sont toutes petites et son corps n'est pas du tout aérodynamique. Mais qu'est-ce que fait le bourdon? Il vole parce qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas voler. Lui, pour lui, il a envie de voler, donc il vole. Donc, dans la vraie vie, prenons le cas d'un entrepreneur. Je vais prendre le cas d'Henry Ford. D'accord? Henry Ford, le créateur de la marque Ford, lorsqu'il voulait inventer le moteur V8. Donc, il a demandé à ses ingénieurs, je veux un moteur V8. Tout le monde lui a dit, c'était impossible. Scientifiquement, industriellement, c'est impossible de faire un moteur V8. Mais lui, dans sa tête, c'était, je veux un moteur V8, fabriquez-moi un moteur V8. Donc, ces ingénieurs ont travaillé pendant longtemps, ils reviennent, ils disent non, Henri, on a regardé sur tous les angles, c'est impossible. Ils regardent ces ingénieurs, ils leur disent fabriquez-moi un moteur V8. Ainsi de suite, et à chaque fois ils revenaient, c'était impossible. Mais au final, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, le moteur V8, c'est courant, vous les voyez sur les voitures puissantes. Mais avant, c'était impossible, avant que Ford ne décide que ce soit possible. Parce que pour lui, cette idée d'impossibilité de concevoir le moteur V8 n'existait pas. C'est la même chose avec Steve Jobs pour le Mac et l'iPhone. C'est exactement la même chose. Pour lui, c'était inconcevable. Il voulait quelque chose, il l'a réalisé. Et aujourd'hui, c'est le cas, par exemple, d'Elon Musk. Elon Musk, lui, c'est la planète Mars, la conquête de la planète Mars. Donc pour lui, vous pouvez lui dire tout ce que vous voulez, il va aller et installer des humains sur Mars. Ce n'est pas son problème, tout ce que vous racontez autour. Et aujourd'hui, c'est très important d'avoir cette notion-là et cette capacité-là de la travailler parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement négatif. Ou lorsque vous voulez vous lancer, on vous dit, bah non, c'est impossible, non, t'as pas d'argent, bah non, t'es pas intelligent, bah non, tu connais pas, t'as pas cette capacité-là. Et bien, dans votre tête, vous devez vous mettre des œillères et dire que moi, je veux faire ça et je vais y aller. Bien évidemment, derrière le mot ignorance, il y a le mot intelligente. D'accord? Donc, c'est pas des ob... ne prenez pas des objectifs qui ne sont pas faisables par un humain. Ce sont des objectifs qui sont faisables. Mettez-les-vous dans votre tête. Pour vous, rien n'est impossible. Ça se traduit également par la foi, hein? Une foi inébranlable. C'est la même chose. Et pour vous, vous foncez. Donc voilà. Il est important que chacun d'entre nous développe cette capacité, y compris moi-même, parce que des fois, lorsque c'est difficile, on oublie. Et je pense que avec cette capacité-là, nous réussirons tous nos projets. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui rapidement avec toi. Donc dis-moi en commentaire si c'est une capacité que tu as déjà ou que tu souhaites travailler. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oublie pas de me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. Porte-toi bien et n'oublie pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye!